C'est ne plus appartenir. C'est vivre sous l'influence des médicaments. C'est aux dépens des autres. Ne plus être capable de rien faire de soi-même. Sans être, avoir des balises, qu'on appelle, ce qu'il appelait anciennement, pour nous guider puis nous tenir dans un chemin avec un certain équilibre. Ce qu'on appelle, entre parenthèses, pilules, médicaments. Aidés par les psychiatres, les infirmières douées à nous aider. Parce qu'il y a des moments que c'est tellement fort, la dépression, que tu ne peux pas la vivre à l'extérieur des hôpitaux. Dépression. Enfer. Cauchemar. Impuissance. Dépouillement. Pauvreté. Vide. Comme si des têtes de mort arrivaient dans mes pensées. Imaginez le pire. Se sentir abandonné, se sentir délaissé. Être obligé de demander de l'aide et pas être capable de recevoir cette aide-là. C'est comme si les gens étaient dans un univers autre que le mien. Vouloir aimer et en être incapable. Vouloir donner et mal donner. Voilà ce qu'il y a derrière le mot dépression pour moi. Et pour toi. Toi qui as peut-être vécu un début de dépression, que ce soit suite à l'échec, ton mariage, tes relations familiales, un décès, perte d'emploi, surfatigue, fatigue professionnelle. Avant, ce qui se passe dans la tête d'une personne, ce qui se passe, ça va tellement vite dans notre tête qu'on n'est pas capable de suivre. C'est pour ça qu'on a recours à... On n'est plus capable de mettre un arrêt. Moi, en tout cas, ça a été ce que j'ai vécu dans ma tête. Là. Ça allait tellement vite, puis il vient toutes sortes d'idées. Tu sais, c'est comme... Tu t'appartiens plus. Tu t'appartiens réellement plus. Là. Ça va vite partout. Ton être, ta tête, tes esprits, tout. Tout va tellement vite. Là, tu viens tout débalancer, la tête aux pieds. J'ai pour... Tous ceux qui vivent cet état de dépression, un infini respect pour la souffrance, la douleur, le désarroi, l'impuissance, qu'ils vivent peut-être maintenant, qu'ils ont vécu, qu'ils vivront peut-être demain. Et comprendre ceux qui sentent des fois monter cette dépression, nous arrive. Où t'es heureux, puis zing, tout à coup, tu sais pas pourquoi, t'as croisé quelqu'un, t'as entendu une émission à la radio, un geste, tu sens chez l'autre des choses, tu sais pas si c'est vrai, mais t'as senti quelque chose, et tu te mets à... Ça tourne cauchemar dans ta tête, t'es en début de dépression. J'ai un infini respect pour tous ceux qui vivent... cet état, car il s'agit d'un état. Un état qui peut être court ou long. Un état qui modifie nos pensées, bien sûr, mais aussi tout notre système physique, chimique à l'intérieur de nous. Et qui peut demander, bien sûr, des soins professionnels. Parce qu'on est allé trop loin ou on n'a pas pu... réagir parce qu'il n'y avait pas la personne pour nous aider à contrebalancer ces cauchemars, parce qu'on n'a pas osé parler à quelqu'un et qu'on a maintenu le cauchemar. Et puis, ben là, on rentre dans l'état dépressif aigu qui demande des soins.
Et qui demande des soins demande donc d'être exclu de sa famille, de ce que l'on aime, dans un institut psychiatrique, avec des pilules, des soins. Voilà. J'ai un infini respect. J'ai un infini respect. Un infini respect. Puis, moi, en quelque part, dans ce temps-là, t'es malade. T'as plus le goût de prier, t'as plus le goût de... Ta messe quotidienne ne te dit plus rien, ton Eucharistie, tout est débalancé. Tout est débalancé complètement. C'est dans ce temps-là qu'on dit, il y en a d'autres qui prient pour nous autres. Moi, je sais bien que si j'avais pas eu, dans ce temps-là, peut-être mes grands-parents, peut-être mes parents, je serais sûrement plus devant toi aujourd'hui. Parce que la première que j'ai faite avec trois jeunes enfants, le bébé avait 2 ans, je me ramassais seule. J'allais porter mes enfants à des madames. Allez-vous garder mon petit le temps? Je vais aller à l'hôpital. Je pleurais comme une madeleine. T'abandonnes tes enfants pour une période pour t'occuper de toi. Mais quand tu t'es jamais occupé de toi, puis que là, t'es rendu à bout de ta ficelle, à bout de ta corde, tu n'en peux plus. Si tu veux pas mettre tes enfants en danger, si tu veux pas te mettre en danger, il faut absolument que tu prennes les grands moyens, là. Sinon, tu peux plus, là. Tu peux plus fonctionner tout seul, là. C'est difficile, très difficile. Et je réalise, au fond, tu vois, que ça peut m'arriver, et ça m'est arrivé, ces périodes dépressives. Ces périodes de mini-dépression ou de moyenne dépression. Je n'ai pas connu l'hospitalisation. Mais j'ai quand même vu un psychiatre un jour, bien sûr. Et quand je pense à ce que Dieu a fait de nous, et quand je vois comment l'être humain, pourtant fait pour la vie, pourtant fait pour l'amour, pourtant fait pour le bonheur, quand on arrive à ça, j'en ai mal. Qu'est-ce qui fait que ma vie peut devenir aussi cauchemardesque, et qu'est-ce qui fait que la vie de d'autres peut devenir si lourde et pesante, et en quelque part remplie de tellement de cauchemars qui sont... en quelque part, toujours des demi-vérités ou des demi-mensonges. Demi-vérité fait que ça ajoute son demi-mensonge, finalement, à l'ombre. Et Jésus, qui est venu sur cette terre, est venu nous parler d'amour. Il est venu nous parler de vie en abondance. Il est venu nous parler de source d'eau fraîche. Il est venu nous parler de vérité. Et venu nous parler de limpidité. Tu vois, il y a derrière moi une nature superbe. Tu vois, si tu regardes un peu derrière, c'est le fleuve Saint-Laurent, mais en plein mois de janvier, tu vois, c'est couvert de neige. L'eau du fleuve est gelée. La terre est recouverte de peut-être 1,5 mètre de neige. Les arbres n'ont plus de feuilles. Mais sous la glace du fleuve, il y a de l'eau fraîche. Sous l'épais manteau de neige, il y a une terre et on creuse à peine 30 cm, un pied et demi. Et puis, c'est pas gelé. Et si on creuse un peu plus, on voit tout cet univers de racines qui se gorgent. L'arbre n'a plus de feuilles, mais ses racines sont vivantes. Ses racines se gorgent pour le printemps qui va arriver bientôt ici. Prête à laisser monter une sève abondante. Et pour moi, et j'espère pour toi. Pour moi, les périodes de cauchemar, les périodes de dépression,
de désillusions si pénibles. Tous ces rêves qui sont tout à coup comme des ballons qui crèvent, pouf, et qui font mal. Et je te le dis, quand je saigne, moi je saigne beaucoup, alors. Mais tous ces moments de crucifiement, ouais, crucifié par la vie, par les gens, par les regards, par les paroles, par les rejets, tous ces moments de crucifiement m'invitent, et je voudrais tellement qu'ils t'invitent à percevoir que sous cette couche de glace, ce crucifiement, en dessous, comme en dessous de ce fleuve Saint-Laurent qui est glacé, il y a de l'eau pure, en dessous de cette terre toute blanche, avec des arbres qui n'ont pas de feuilles, en dessous il y a des racines qui se gorgent. Voir ces périodes de ténèbres comme des lieux de résurrection, des lieux de relance, des lieux de lumière, des lieux de purification, pour réapprendre la vie, réapprendre ce que tu es, retrouver avec toi-même un nouveau lien, découvrir ton originalité. Je risquerais, et là j'ai peur de blesser tous ces gens qui ont vécu des dépressions. J'en ai conscience. J'ai tellement conscience que vous avez vécu des drames atroces, des moments archi-pénibles. Mais en même temps, vous invitez, avec moi et avec tous ceux qui écoutent, à voir dans des moments, dans ces moments de déchirure, de dépression, mineure, moyenne, burn-out, peu importe, fatigue professionnelle, des moments de bénédiction. Des moments de croissance. Des moments où la vie nous fait signe. On s'arrête, bien sûr. Il faut arrêter quand on vit une dépression. Au début, on est excité, mais on arrête. On arrête. Et il y a toujours quelqu'un. Et il faut croire en l'amour. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en la nature. Je me souviens de cet oiseau qui était venu dans ma main. Tu vois, il y a des événements. Il y a des signes de Dieu, de la nature. Il y a des gens qui vont t'écouter, t'accueillir. Mais croire que dans les moments les plus pénibles, dans ces moments de dépression, quand tu cries au secours, il y a des paroles qui rentrent, pas nécessairement parce que tu n'as envie que de parler, tu ne peux pas écouter, mais ces paroles, tu vois, vont mûrir. Il y a des temps d'arrêt. Un peu comme lorsqu'on regarde un match de, je sais pas moi, de hockey ou de foot, de football, il y a des moments d'arrêt. Mais je dirais, Dieu met des moments d'arrêt pour que toutes ces paroles de vie, pour que la vie en dedans de toi jaillisse. La dépression, ben j'allais dire, faut presque tous passer par là en quelque part un jour. Pour que nos masques tombent, pour que nos illusions tombent, pour que notre esprit de négociation, je ne sais pas si tu sais, tu réalises comment on négocie sans arrêt. On négocie une espèce de tiédeur sécurisante. On ne veut pas blesser les autres, on ne veut pas que les autres nous blessent. On ne veut pas que ça paraisse, ce défaut paraisse. On veut pas avoir de l'air tout petit, minus, moins que les autres. Alors on négocie tout ce qu'on dit. On négocie notre apparence, on négocie tout. La vérité n'est plus là. Tu n'es plus toi. Tu es quelqu'un d'autre, tu es double. 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 Et quand on est double, on est à la merci du mal. Du mal, du malaise, de la maladie. Mal, malaise, maladie. Quand tu es double, tu vois double. Ta réalité n'est pas là. Tu es toujours en train d'imaginer, un peu comme si tu me regardes et je me mets à loucher, comme ça. Tu vois, mes yeux font... Alors, je vois mon caméraman Sébastien double. Il n'est même pas où il est. Il est double. Ou tu prends ton doigt et tu fais ça. Donc, tu louches, donc je le vois, c'est ça.
Essaie. Essaie. Prends ton doigt, fais ça. Fixe une plante, la télé que tu écoutes, et fais ça. Regarde ton doigt, et tu vois deux télés. Tu vois deux Pierre Lacroix. Tu deviens double. Alors, tu es là, crispé face à la vie. Tu négocies tout. Alors, tout devient double. Tout est faux. Parce que la réalité de ce qui est devant toi est déformée. Alors, Dieu, dans sa bonté, je le remercie, donne à notre être de se sentir mal par des malaises, donc ta façon d'être est mal, et il t'invite à réagir à tous ces malaises. On ne combat bien la dépression que si on accepte ces malaises et on s'en réjouit. Tu es avec quelqu'un que tu aimes, ça va pas, t'as négocié, t'as une façon de faire, bon, tu te fais ci, tu fais ça, bon. L'autre est peut-être contente, mais toi, t'es pas toi. Tu n'es pas toi-même. Tu présentes une autre personne que ta réalité, une autre vérité, qui n'est pas la tienne. Je m'excuse, ce n'est pas la tienne. Alors, il s'est créé, ton organisme réagit. Mal, malaise, et puis si tu ne réagis pas au malaise, maladie et malheur. Et on appelle ça finalement de la malédiction, et on va chercher tous les démons. Mais le premier démon, c'est quoi? Ton manque de vérité, de transparence. Voilà. Attente de l'autre. Voilà. Tu as quitté ton moi, tu as quitté ta beauté, tu as quitté ton originalité. Bien sûr que la famille t'a donné, bon, voilà, c'est ça, une histoire, une particularité, une façon d'être. Papa n'est pas toujours ce qu'on veut, maman n'est jamais, enfin, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a pas de frères et sœurs parfaits, il n'y a pas de famille parfaite, il n'y a pas de cousin parfait, il n'y a pas de fiancé parfait, il n'y a personne de parfait. Et puis toi, devant ces gens-là, voulant maintenir des liens, parce qu'on a besoin de l'amour et de liens, tu as misé sur le jeu. Tu as misé sur le tiède. Tu t'es mis à négocier. Mais l'amour, ça ne se négocie jamais. Et en négociant, tu as vu le mal, malaise. Maladie, malheur. Que je suis malheureuse, me disait une femme cette semaine. Que je suis malheureuse. Et pourtant, tous ces malaises lui ont parlé. Et d'autres de dire, quelle malédiction est sur ma vie. La seule malédiction, finalement, c'est de ne pas avoir écouté, je dirais, ton être. Tu es le temple du Saint-Esprit. Eh! Peut-être que tu penses que là, je te parle de psychologie et... Mais tu es le temple du Saint-Esprit. Et Dieu, il est dans ton cœur. Et il y a une beauté dans ton cœur. Puis il y a une joie dans ton cœur. Puis il y a une plénitude dans ton cœur. Il y a une vérité dans ton cœur. Une vérité. Une liberté dans ton cœur. Il y a un enfant qui danse dans ton cœur. Mais quand on est, tu vois, quand on négocie, ce n'est plus cet enfant qui parle, ce n'est plus cette vérité qui parle, c'est la négociation. Pour obtenir ce que tu penses être ce qu'il faut pour toi. C'est le péché originel, point. Et je me souviendrai tout le temps de la parole du père des hôtels, au Jean-Claude Trottier, deux prêtres conseillers qui n'aiment voir puis à l'hôpital. Puis je disais au père des hôtels, mais qu'est-ce que je fais ici? Il disait, le Seigneur se sert de toi ici. Il a besoin de toi ici. Tu sais, t'es sur le grabat, puis il dit, le Seigneur a besoin de toi ici. J'étais plus compréhensive quand les gens, peu importe l'âge, ne frappaient à ma porte. Après qu'il m'ait eu dit ça, je comprenais que les gens avaient besoin d'écoute. Les gens avaient besoin de se faire écouter. Et puis, c'est ça aujourd'hui. Dans notre société, les gens, ça vit vite. Ça travaille, ça n'a pas le temps d'écouter
Même les membres de leur famille. Les jeunes, aujourd'hui, pourquoi que le taux de suicidaire est si élevé? Ils n'ont pas la chance de se faire écouter par leurs parents. C'est la première des choses, ça, familiale, à faire. La vie est tellement vite. La vie est au cours suicide, cours dépression. Ben oui, mais ça donne quoi dans la vie, ça? Ça donne quoi dans la vie, ça? C'est à croire que pour être heureux, il faut se suicider, puis il faut faire des stages à l'hôpital, puis c'est pas une obligation d'être en dépression. Mais on dirait que des fois, on apprend à vivre suite à une dépression. On apprend à vivre, on apprend à ralentir, on apprend à s'intérioriser, on apprend à prier davantage. Ce qu'on ne pensait pas aussi souvent avant. Les valeurs changent. On s'intéresse beaucoup plus à notre Tout-Puissant qui vient à l'intérieur, qui nous change, qui nous travaille. Ça, il n'y a pas une pilule pour arriver avec ça. Puis la journée où on a compris ça, là, on n'en fait plus de dépression. On ne se ramasse plus à l'hôpital. Le responsable de toutes les dépressions, c'est le péché originel, où l'homme voulait finalement négocier, prendre le contrôle, et non plus écouter son fond, là où il y a la vie, le bonheur, la paix, la liberté, la vérité. C'est bien négocier. Telle personne est comme ça, je vais agir comme ça. Si je fais ça, ah, il va peut-être faire ça, lui. Et finalement, on ne s'en aperçoit pas, mais c'est l'hiver sur toute notre vie. Mais Dieu a bien fait l'être humain. Et Dieu t'aime, Dieu m'aime. Et je bénis tous ces malaises. Ces malaises qui nous invitent à toujours être plus nous-mêmes. S'arrêter un malaise et sentir là où je n'ai pas été moi-même avec quelqu'un, dans une circonstance donnée. Ou si je provoque un malaise chez l'autre, écouter le malaise de l'autre, l'accueillir. Il a, cette personne est là, une partie de ta vérité aussi. Et c'est souvent comme ça, bien sûr, dans l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres, que ce partage de malaise va redonner à chacun des partenaires du lien, de l'amitié, du couple, parents, enfants, plus de vérité. Plus de vérité. C'est sûr qu'on n'est pas obligé d'aller à la dépression pour ça. Non, non, non. Mais il y a des mini-dépressions et beaucoup plus qu'on pense. On se lève le matin, paf, on a la tête en dépression. Et là, il n'y a rien qui marche, puis les enfants nous tombent... on veut rien savoir, la femme m'énerve. Elle était jolie hier soir, elle est absolument laide ce matin. Je me fais la barbe, je me regarde, je me trouve laid, vieux. Il n'y a plus rien qui marche. Je viens d'entrer dans le cauchemar. Et là où il est intéressant de s'arrêter, c'est que c'est un état. C'est un malaise qui propulse des yeux différents, une pensée différente, des émotions de catastrophe, bien sûr. Oui, oui. Mais est-ce qu'on peut écouter? C'est ça. Parce que le malaise, il va arrêter, la dépression va arrêter dès le moment où tu vas dire, ah, tiens, j'ai un malaise. Mon cœur m'envoie un message. Voilà. Tu arrives du travail le soir, tu as mal dans le dos, tu dis, hé, j'ai travaillé nerveux toute la journée. Il y a un malaise qui vient de... Voilà. Ton cœur, c'est comme un système immunitaire, tu vois. Ce qui a rentré par toi-même ou par les autres, il veut l'évacuer. Il crée un malaise. Mais ça, c'est Dieu qui a fait ça, l'homme comme ça. L'homme d'ici, l'homme de Chine, l'homme d'Afrique, qu'il soit chrétien ou non, Dieu a donné à l'être humain cette capacité de réagir à tout ce qui est faux, à la fausseté. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, et nous portons à l'intérieur de nous toutes les lois de l'Évangile. Nous portons à l'intérieur de nous la nouvelle alliance. Elle nous sera annoncée, révélée, mais toute tête de la terre, le papou de Guinée,
le musulman du Maroc, l'hindouiste, Terinkyo au Japon, tous sont faits à l'image de Dieu. Et tous portent à leur cœur les marques de l'Évangile, les lois de l'Évangile. La loi de l'Évangile, la loi de l'amour, porte l'amour, ce qui est Dieu. Et chaque fois que tu n'es pas toi, dans ton être, dans ta vérité profonde, il y a un état de dépression, de malaise. C'est incontournable. Que ce soit une grande dépression, une petite dépression, avant une dépression, durant une dépression ou après une dépression. Ceux qui ont des fusibles faibles, il y en a qui ont peu d'ampérage, il y en a qui pètent les plombs, pouf, tout de suite. Béni soit le ciel. Ils ne sont pas endormis. Ils sont déjà éveillés. Et plus tu es éveillé à la vie, à l'amour, à Dieu, à la grâce, à la nature, plus tu pètes les plombs. Les plombs sautent. Vite. Vite. Et alléluia. Alléluia, tu le comprends? Alléluia, alléluia, alléluia. Quand tu as plus ces malaises-là, c'est que vraiment, quelque part, tu es vraiment congelé. Tu es mort en quelque part. Et ça me fait plus peur une personne que du moi. Allez, ça ne me dérange pas. Non, il est vraiment endormi. En quelque part, la mort s'est installée. Mais quand quelqu'un me parle de son hypersensibilité, de ses malaises rapides, nombreux, de ses maux de tête, cette tête qui veut des fois éclater, péter, ce brassage intérieur, il y a des tornades des fois. Ça fait mal là, là. Je demandais à une dame qui est un petit peu maniaco-dépressive, comme Monique, quels sont tes malaises? Est-ce que tu apprends à vivre tes malaises? Est-ce que tu as identifié comment ton être profond, animé du Saint-Esprit de Dieu, plus tu pries, plus tu es conscient de l'Esprit-Saint, plus l'Esprit-Saint t'envoie des malaises? As-tu pris conscience, toi qui es chrétienne, qui crois en Dieu, comment Dieu te parle par des malaises? Pour t'inviter à quoi? Toujours plus de vérité. De transparence, de limpidité. Et être capable, tu vois, à partir de ces malaises-là, de pouvoir conduire ta barque avec simplicité, naïveté, avec liberté surtout, au travers des événements de ta vie. Le malaise nous montre là où c'est double, triple, incroyable. Peut-être tu regardes quelque chose, un défaut de quelqu'un, trop proche, et tu la vois double. Tu ne la vois même plus devant. Des fois, c'est ça. J'ai un malaise face à quelqu'un parce qu'il a fait ça comme erreur. Je ne vois même plus la personne en réalité, je vois deux mirages. Deux images, mais c'est pas la personne. Ce n'est pas la personne. Ce n'est pas la personne. Parce que j'ai focusé mon regard sur une personne. Alors, je louche. J'ai un défaut de vision. Alors que la personne, dans son ensemble, est une merveille. La personne, voilà, est un cadeau de la vie sur ma route. Alors le malaise arrive. Et c'est là où je vous dis, béni soit ce malaise. J'inventerai une nouvelle béatitude. Il y a bienheureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Moi, je dirais bonheur, bienheureux à ceux qui sentent et accueillent leur malaise. Car la vérité de leur être, l'amour qui est dans leur cœur, jaillira en plénitude. Ton meilleur allié, c'est ton être en réaction au malaise, à ce qui est double. Il y a des épines, ouais, il y a des épines, mais elles deviennent source de résurrection, d'épanouissement. Tous ces malaises qui t'amènent la dépression, est-ce que tu peux les rendre maintenant tes meilleurs amis? Ce qui était ennemi deviendra ami. Ton malaise devient ton allié maintenant. Ton meilleur allié.
Et si tu appelles ça ennemi, appelle-le donc ton meilleur ennemi. Parce que ton ennemi va te faire grandir. Tu as pété les plombs, t'as fait une dépression, t'en fais à tous les matins, t'en fais avant de te coucher, t'es plus capable d'endurer ton mari, monsieur, votre femme, jeune homme, jeune fille, tes parents. Peux-tu faire de ton malaise que tu vis actuellement ton meilleur allié? Pour, revenir à toi, à ta beauté. Savoir qu'il y a quelque chose de toi qui est investi, qui est faux. Ou qui a été investi vers toi, qui est faux. Alors, aie l'audace de le dire. Je me sens en malaise, il y a quelque chose que je ne sais pas quoi, mais il y a malaise. Et puis, j'oserais dire, ressuscite là-dedans. Voilà. Se réjouir de nos malaises. Se réjouir de nos états dépressifs. C'est pas évident ce que je te dis là. C'est sûr. Mais si tu comprends bien comment, au fond, c'est la loi du Créateur qui a créé la création à chacun d'entre nous. C'est saisir ces lois de l'être, les lois de Dieu. Les lois de Dieu, les lois de l'être, les lois de la vie, les lois de l'enfant sont les mêmes. L'enfant, il est vrai. Et c'est quand on commence à le manipuler pour le changer à notre sauce qui devient double, qui devient mal, malheureux et malade, et on dira malédiction. Une malédiction, me disait une dame d'Afrique, est tombée sur mon enfant. Fétiche, je sais pas quoi. Sorcellerie. Et puis, j'ai visité sa maison et j'ai vu sur l'autre enfant quelle pression elle exerçait. Alors, finalement, la malédiction était davantage la pression que l'enfant recevait par des mots, par des attitudes, par des regards. Malaise, il n'a pas trouvé à être écouté. Malaise, malheur, maladie. L'enfant est délinquant, drogué, violent. Le diable a touché mon enfant. Non, c'est la fausseté. Le manque d'écoute, d'accueil, tu vois. D'amour, de respect. Eh, mon Dieu, d'écoute de l'enfant, de respect. C'est pas une malédiction. Et je dirais que cet enfant qui prend de la drogue, eh bien, j'aimerais le rencontrer, je ne l'ai pas rencontré. Parce que je suis certain qu'il est très éveillé à la fausseté, donc très éveillé à la vérité. Les gens éveillés à la vérité sentent la fausseté. Les gens qui sont éveillés au bien sont éveillés au mal. Les gens qui aiment voir au bien-être des autres savent c'est quoi le mal-être, le malaise. Les gens qui sentent le malheur chez les autres sont éveillés au bonheur. C'est le paradoxe, hein? Mais ce passage des ténèbres à la vie, nous pouvons tous le franchir en écoutant et en se réjouissant de tous ces malaises que je t'invite à vivre jusqu'au bout, à interroger. Je me souviens, il y a peu de temps, j'étais très, très mal, très, très... Et je disais à mon malaise, « Eh, malaise, malaise de malaise, je t'oblige à livrer la vérité qui est au fond de moi. Je t'oblige à livrer ce fleuve d'eau vive qui est au fond de moi. Comme le Christ est mort en croix, je meurs. Mais il est ressuscité. Et c'est la vie a jailli de la mort. Et j'étais convaincu, profondément convaincu, et je disais à mon malaise, je disais à mon mal d'être, à mon cauchemar dans ma tête, « Hey, cauchemar, tu vas livrer le rêve d'amour, tu vas livrer la vérité, tu es faux, livre la vérité, tout est triste, décevant, eh bien que tout soit joie
et rempli d'espérance. Je t'oblige à... Oh, je parlais à mon malaise, hein. Je l'ai bien engueulé. Oui, j'ai engueulé mon malaise. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que le Christ a pris tout en lui nos malaises et il les a, au matin de Pâques, gorgés de nouvelles vérités. Il se passe un miracle à chaque fois que, devant une situation, que tu ne sais pas trop pourquoi, tu as un malaise. Il se passe un miracle. Ton malaise est un miracle. Une invitation à la vérité, à la transparence, à la beauté. Tu cherches mille miracles, alors que les plus beaux miracles, parce que c'est par là que Dieu parle, il joue comme de la guitare sur tes malaises. Tu vois, il joue des hymnes d'amour sur tes malaises. C'est ses cordes, chacun de tes malaises. Ton hypersensibilité, qui t'amène à avoir tout croche des choses, à être dans le cauchemar, dans la dépression mentale, tu vois, c'est autant de malaise. Je te dirais que toi qui es si sensible, toi qui es si souvent dépressif, dépressive, ben t'es un génie du cœur. Ouais. Écoute ça et tu deviendras un prophète de l'amour, du lien, du bonheur et de la paix. L'Évangile s'incarne dans tout ce que tu vis par tous ces malaises, par tous ces moments de dépression, de cauchemar. L'Évangile est en train de s'écrire. Mais nous, on ne veut pas souffrir. On évite les larmes, la douleur. On ne veut pas souffrir. Mais non, on ne veut pas souffrir. Ben non. On ne veut pas souffrir. Alors que cette souffrance, ces malaises, il faut dès le départ, lorsqu'ils arrivent, et de plus en plus rapidement, finalement, faut les vivre. Faut les accueillir comme étant des indications absolument extraordinaires de Dieu. Comme des paroles d'Évangile. Parle du malaise. Seigneur, parle-moi. Mais il parle à travers chaque malaise. Si tu n'écoutes pas le malaise, il y aura peut-être malheur. Maladie. Comme les gens qui n'écoutent pas leur malaise et qui finalement font une dépression profonde. Mais si toi, tu as déjà vécu une dépression, tu sais c'est quoi aller en psychiatrie et tout ça. Tu en es sorti, il y a un temps pour se faire soigner, bien sûr, puis il y a un temps pour apprendre de l'événement. Et plus que ça, vivre de l'événement. Parce qu'on retrouve cette harmonie avec nous-mêmes. Oui, nos qualités, oui, nos épines, oui, nos défauts. Mais davantage encore, cette hirondelle qui annonce le printemps, comme ici, dans quelques mois. Cette hirondelle qui va chercher les petites branches sèches, les bouts de voilà, qui annonce le printemps, l'hirondelle, ben, à chaque fois qu'il y a un malaise, ça annonce un printemps nouveau. Voir notre hypersensibilité, voir nos malaises, comme des appels de la vie. Et s'en réjouir, comme étant ce qu'il y a de plus beau, de plus magnifique. Tu vois, la Vierge, Notre-Dame des sept douleurs, Notre-Dame des sept douleurs. La grandeur de la Vierge, c'est d'avoir comme ça vécu et reçu sept glaives dans le cœur, tu vois. D'avoir été rejetée par Joseph. Bien sûr qu'elle est belle, pure, mais attention, crucifiée. Marie gardait tout en son cœur. Marie, la femme belle, parce qu'elle écoute de ses blessures. Et elle nous offre le même chemin. Marie, notre mère, la mère de Jésus. La vraie louange, au fond, c'est d'être capable de dire, ben voilà, il y a erreur, j'aime pas ce qui s'est passé,
J'aime pas ce qui se passe en dedans de moi. Ben, merci. Maintenant, je sais que là, il y a quelque chose de vrai en dessous. C'est un peu comme un sourcier. Vous connaissez, c'est... Ici, au Canada, il y a ça beaucoup. C'est des gens qui prennent des bouts de bois, un peu en forme d'Y, qui se promènent sur ton terrain. Puis, à un moment donné, le bout de bois va vers le sol et les spécialistes viennent creuser. Ben, le malaise, c'est ça. À un moment donné, ça te montre là où il y a manque de vérité. Et là, c'est plaisant de creuser. On sait qu'il y a de l'eau en dessous. On sait qu'il y a une source en dessous. Les malaises, les moments dépressifs, les moments de lassitude, les moments d'angoisse, les moments de... Là où on tire du canon, où on a envie de tirer du canon, où on a déjà tiré du canon. Et il faut accepter qu'on a déjà tiré du canon face à quelqu'un. C'était notre façon de réagir. Mais là, toi qui écoutes aujourd'hui, je t'offre une nouvelle voie qui est celle des fleurs. D'ouvrir, de t'ouvrir à l'événement, de laisser l'événement s'ouvrir lui-même. Toi, t'ouvrir, arrêter le combat. Arrêtez le combat. T'as tel défaut, arrête le combat. T'as commis telle erreur dans ta vie, arrête le combat. Quelqu'un t'a blessé, oui. Oui, menti, trahi, infidélité, est tombé dans des... Arrête le combat. Ouvre-toi. Allez, hop, ouvre comme mon vêtement que je... Ouvre-toi. Ouvre-toi à l'événement. Ouvre-toi à ta peine, ouvre-toi à ton malaise. Et partage en quelque part, ouais. Ouvre-toi. D'ailleurs, si tu fais paix avec ton intérieur, tu vas t'ouvrir davantage à quelqu'un d'autre. Non pas pour te justifier. C'est peut-être un ami qui n'a pas d'affaire avec la blessure, hein. C'est peut-être une personne en qui tu as confiance. Il y en a sur notre route, il y en a déjà, oui. Mais t'ouvrir comme ça. Et entrer dans un... On commence à creuser là où... Le sourcier a trouvé, je sais pas, la branche a fait ça. Bon, voilà. Commencer à creuser. Et à être étonné de ce qui va jaillir de cette période difficile. Bienheureux ceux qui ont un système fragile. Bienheureux ceux qui sont intolérants. Bienheureux ceux qui souffrent. Bienheureux les pauvres. Bienheureux les affligés. Bienheureux ceux qui pleurent. Car ils reçoivent la consolation au cœur même de la brisure, de la déchirure, de l'inconfort, du défaut, de ton défaut. Mais pour ça, il faut, je dirais, être obsédé par la vérité. La désirer pour toi d'abord. L'autre viendra et prendra sa place dans cette aventure. Mais toi, avec toi, dans tes réactions, et ta vraie vérité, ce n'est pas ton coup de canon, c'est ta gerbe de fleurs, parce que tu as au fond de toi un cœur magnifique. Une douceur pour la personne qui est devant toi et de la paix et de la présence et de la chaleur qui dépasse même cette personne-là. Une douceur infinie. Tu as en dedans de toi l'amour infini de Dieu, tu as en dedans de toi la bonté infinie de Dieu. Voilà. On m'a raconté une jolie petite histoire qui illustre bien les cadeaux de Dieu.
C'est l'histoire d'un curé de campagne qui a, bien sûr, des gens âgés, bon, voilà, proche d'une grande ville. Mais à côté, il y a une rivière qui coule et la rivière monte. Et c'est l'inondation. Donc, tout le monde fuit. Tout le monde fuit. Et je revois encore les yeux brillants de la personne qui me racontait ça, avec comme si c'était là une leçon de vie incroyable. Et je t'invite à recevoir ça comme une leçon de vie aussi. Donc, l'eau monte, 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 et le curé, ben, monte, il monte, il monte. Finalement, il aboutit sur le toit de son église, et l'eau est montée, et passe en barque, ben, des gens de la sécurité civile, et, ben, monsieur le curé, venez, 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 on va vous sauver. Et le curé de répondre, non, 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 j'ai confiance en Dieu, Dieu va me répondre, Dieu va me répondre, Dieu va me répondre, il va me sauver. Je suis quelqu'un, moi, je suis un prêtre, moi, voilà, je suis fier de ma foi. Il va me sauver. Il va me répondre, voilà, il va me sauver. Il ne veut pas y aller, il ne veut pas y aller. Hein? Et puis l'hélicoptère arrive 15-20 minutes plus tard et l'eau monte, hein? Il est vraiment assis sur le pignon de l'église. Monsieur le curé, venez, on tend une échelle, et puis... Non, 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 merci, merci, merci. Il refuse, il refuse, il refuse, il refuse. Et Dieu va me sauver. Dieu, je lui ai demandé de m'aider, ben, il va m'aider. Ah bon? Et ça ressemble à nous quand ça va pas, hein, je veux dire. Tu t'adresses à Dieu et tu vas m'aider, on attend l'aide directe, là, voilà, quelque chose. Direct de lui, on ne croit plus aux humains. Mais Dieu va m'aider. Voilà, Dieu va m'aider. Et puis, tout à coup, arrive une barque qui n'est pas un canot à moteur. Et c'est le jeune drogué du village, c'est celui qui vend la drogue, là, tu vois. Cheveux longs, couettés, jeans percés, voilà. Des chaînes aux oreilles, partout. Et qui arrive proche du curé, parce que l'eau est proche de le submerger. Monsieur le curé, je vous ai vu. Ben, venez, venez. Qui es-tu? Je t'ai jamais vu à l'église. Non, monsieur le curé, mais moi, je vous ai vu. Je vous ai vu, voilà. Quand vous alliez voir des malades, vous êtes allé voir ma tante. Je n'étais pas là, mais je sais qu'en quelque part, vous aidez les pauvres aussi. Monsieur le curé, je ne vais pas à l'église, mais je veux vous sauver. Voilà. Venez, monsieur le curé. Venez. Et le curé refuse en disant, Dieu va me sauver. Dieu va me sauver. Et le jeune s'en retourne, très triste. Eh bien, curé, on parle d'un curé, ben, c'est n'importe qui. N'importe quel chrétien. N'importe qui souffre, au fond. Je voudrais élargir ça, hein, à tout le monde. Parce qu'on souffre tous. Et quand, en quelque part, quand on a un peu la foi, ben, on s'adresse à Dieu. Voilà. Et bien, le curé décède, il arrive au ciel, Jésus est là. Et puis, ben, tout de go, il sort son canon. Il sort son canon. Seigneur, je suis mort là, je suis mort. Je t'ai servi, ça fait 27 ans que je suis curé. J'ai toujours fait mes efforts, j'ai été fidèle. « Ah ben, toi, tu m'as pas sorti de l'inondation. » Et Jésus, de regarder ce bon curé, de dire, « Ben, mon cher curé, j'aime ce que tu as fait. J'aime ta fidélité. Oui, tu as été fidèle. Tu as baptisé les enfants, tu as confirmé les ados, tu as marié les couples, tu as conseillé les couples. Oui, oui. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. C'est très beau. Mais voilà que là, je te le dis, je t'ai répondu là sur ton toit d'église. Je t'ai répondu trois fois. C'est par ceux qui t'entourent que je te réponds. Tu as beaucoup donné, mais tu as tellement peu reçu. Et c'est par les gens qui t'aiment, le lien, les gens qui vont vers toi, que je t'apporte ces réponses que tu cherchais depuis si longtemps.
ce bonheur, ce bien-être au fond de toi, cette paix, ce cœur que tu cherchais tant, toi qui étais si seul dans ton presbytère, j'ai frappé à ta porte pour te sauver par l'agent de sécurité civile, par la police avec son hélicoptère. Et j'ai même pris, tu vois, un petit cœur brisé qui s'appelle un drogué, un paumé, un moins que rien, pour te dire, viens, je te sauve la vie. Et toi, tu as trouvé un corps à critiquer à chaque place. C'est par les autres, mon enfant, c'est par ceux qui sont proches de toi. Et même par les petits. Tu vois, parce que celui qui a le plus insisté, c'est le petit. Eh bien, ce petit-là, c'était moi. Ce pompier-là qui allait, hein, c'est moi. Cette police-là, c'était moi. Et comment, et je trouve ça, cette histoire-là superbe, tu vois. Toi qui as froid maintenant, toi qui gèles dans ton cœur, il y a quelqu'un qui peut t'offrir un vêtement. Ce sera son vêtement, c'est toi qui le porteras. Mais il y a toujours quelqu'un qui est prêt à nous offrir ce vêtement qui nous réchauffe. L'attention. Il y a autour de toi des gens que tu es appelé à recevoir, à accueillir, et voir au travers de ceux qui t'entourent des appels à la vie, à ton être. Je te réponds. Et c'est aussi vrai, écoute-moi, pour la personne qui est à côté de toi et qui te trouble, qui fait des erreurs, qui n'est pas à 100% vrai, c'est encore ma réponse. Il y a de ces fois que je t'enverrai comme une semence de coups de canon. On dit, et c'est mal compris, Dieu punit ceux qu'il aime. En fait, ce n'est pas une punition. Le sens du mot veut dire soumet à l'épreuve, comme Job sur son tas de fumier. Ça veut dire épreuve pour plus de pureté, plus de vérité. Alors toi qui vis des malaises, venant de papa, maman, frère, sœur, oncle, tante, grands-parents, amis, collègues de travail, copains, copines, fiancés, il y en a, professeurs d'école, élargissez partout, de grâce. On est toujours en réaction à quelque chose. Toujours. Il pleut pendant une semaine, on est en réaction, tu vois. On se casse une jambe, on est en réaction. C'est même plus que des personnes, c'est aussi des événements. Perte d'emploi, etc. Patron désagréable, mettez-en juste. Voir ce qui crée un malaise, sans réjouir quelque part, hein, je suis très, très, très... Et voir comment ton être est appelé à grandir. Écoute-moi, ton être, tu es prêt à relever la tête, tu vois, c'est ça. Tu marches la tête basse, mais tu as le droit à marcher la tête haute avec ce que tu es, tel que tu es. Entrer dans ta vérité, relever la tête. Je vois un jeune qui peut se promener les deux mains dans les poches, là, tu vois, la tête penchée. Ou la dame qui marche sans regarder personne sur la rue. Elle prend l'autobus, le car, elle regarde même pas le chauffeur, salue personne. Tu vois. Relève la tête. Ce malaise que tu portes est un moment, c'est une chance de vie. Dieu t'appelle à grandir vers ton être profond, là où la bonté et l'amour t'attendent. Ceux qui sont autour de toi sont des instruments de Dieu. Autant pour casser tes illusions que pour t'inviter à être ce que tu es profondément. Et remercier la vie autant pour ceux qui te cassent que pour ceux qui t'éclairent. Partage leur vécu, s'ouvre à toi, voilà. Fais un bout de chemin avec toi. Réjouis-toi de tous ces malaises. Entre dans la vie
entre dans ta vie et entre dans cette louange qui est « Seigneur, tout m'invite à te rencontrer au fond de moi. » Mais tout. Le chaud, le froid, les nuages, le soleil, les oiseaux, ce qui te blesse, ceux qui t'ont déçu, sont autant d'invitations à la vie en plénitude. Prions, d'accord? Prions ensemble. Et moi, j'ai envie de dire merci à la vie. Merci à la vie. Merci à tous ces événements blessants de ma vie. Seigneur, tu me parles, tu me bénis. Tes grâces sont multiples à travers ceux avec qui j'ai des relations difficiles, avec ceux avec qui c'est plus facile, avec les limites de mon corps, avec les désirs que je n'aime pas de mon corps, avec mon âge, avec tant et tant d'événements qui ont marqué mon être pour le rendre toujours plus fécond, plus vrai, plus toi. Merci, Seigneur. Merci. Amen.